Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, je vais continuer de vous lire les propos qui vous donnent l'explication de ces versets de la Bible afin de vous montrer que tous ces versets qu'on cite en faveur de la divinité de Jésus est aussi appliqué à d'autres que Jésus, à savoir à d'autres prophètes, ou à ceux même qui ont cru en lui, ou aussi à ses apôtres. Nous lisons dans l'épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 7, ce qui suit. « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime les autres est né de Dieu. » Et il connaît Dieu. Fin de citation. Nous voyons dans cette citation de l'épître de Jean que celui qui aime les autres est né de Dieu et qu'il connaît Dieu. Également, nous lisons dans l'épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 14 ce qui suit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fin de citation. Il ne faut pas oublier aussi que le langage de la Bible est tout à fait différent que celui du Coran. Et les scribes de la Bible, toujours, reviennent sous leur plume le mot de père et le mot de fils. Et tout au long de la Bible, nous lisons que cela ne concerne pas que Jésus, mais beaucoup d'autres prophètes que lui, dont par exemple l'exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 3 et au verset 38, nous lisons que Jésus, le Messie, est fils de Joseph, et que Joseph est le fils de Adam, qui lui est appelé aussi fils de Dieu. Or, celui qui a écrit cet évangile veut tout simplement dire que Jésus et Adam n'ayant pas eu de père, et que leur création procède d'une décision divine, c'est pourquoi aussi Adam est appelé fils de Dieu. Nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 4 et au verset 22 et 23, ce qui suit. « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon aîné. » Fin de citation. Nous voyons dans ce passage de l'Exode que Israël n'est pas seulement appelé fils de Dieu, mais aussi premier-né. Nous lisons dans les psaumes de David, au chapitre 2 et au verset 7, et aussi dans le psaume 89 au verset 24 et 27, ce qui suit. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Fin de citation. David ici est appelé fils aîné et engendré de Dieu, et il invoque Dieu en l'appelant son père. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7 et au verset 14, nous lisons ceci. Dieu dit en parlant de Salomon, « Je lui serai un père et il sera mon fils ». Nous lisons également dans le livre de Jérémie, au chapitre 31 et au verset 9, ce qui suit. On fait dire à Dieu, je cite, « Car je suis devenu un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Fin de citation. Si tous ces sortes de titres impliquaient la divinité, Israël, David, Éphraïm, Salomon aurait beaucoup plus de droits à la divinité que le Messie, car dans toutes les traditions et dans tous les usages, l'aîné a toujours le pas sur le cadet. Et si l'on prétextait que le mot « fils » pour Jésus serait « fils unique », nous pourrions dire que cela n'est pas tout à fait correct, puisque d'autres prophètes avant lui, sont appelés fils de Dieu dans la Bible.
Mais aussi, il y a une preuve éclatante, c'est dans cet homme qui était sacrificateur de Dieu, qui était le roi de Salem, qui s'appelle Mersichédek. Mersichédek, qui est mentionné dans la Genèse au chapitre 14 et au verset 18, et que Paul reprend dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, au verset 1 et 4, Paul nous dit, je cite, « Tel Melchisédek, roi de la paix, sacrificateur de Dieu le Très-Haut, sans père ni mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. » Fin de citation. Nous voyons donc que nous avons un autre personnage de la Bible qui, dans l'Ancien Testament, a eu un commencement, car il a vécu en principe 670 ans, ce qui lui a permis de connaître le prophète Abraham. Il a eu donc un commencement, et pourtant Paul nous dit qu'il n'a pas eu de commencement et pas de fin, qu'il est semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire à Jésus, et tout cela n'est qu'un tissu de mensonges et d'erreurs, car la vérité est tout autre. Dieu est le seul qui n'a pas de commencement, et cela n'appartient qu'à lui. C'est pour ça qu'on trouve aussi souvent dans la Bible qu'il est nommé l'Éternel, ce qui signifie celui qui n'a ni commencement ni fin. Par contre, Dieu a voulu que l'esprit qu'il a créé en l'homme, ou en Jésus, ou en d'autres, que cet esprit a eu un commencement mais n'aura pas de fin. Dieu aussi a voulu que l'enfer et le paradis ont un commencement et n'auront pas de fin. Mais seul Dieu, l'unique, est sans commencement et sans fin. Nous avons voulu citer ce verset de Melchisédek afin de montrer que Jésus n'est pas du tout unique, comme le prétendent les chrétiens d'après la Bible, mais qu'il aurait un semblable à lui, qui est Melchisédek. C'est pourquoi nous musulmans, nous ne croyons pas que ces évangiles sont directement la parole de Dieu, comme l'a été l'évangile véritable qui était donné à Jésus, qui s'appelle dans le Coran l'Injil, le livre de la lumière, le livre lumineux. Les musulmans croient en ce livre qui existait dans la langue primordiale de Jésus, qui était, je pense, l'hébreu ou l'araméen, mais dans tous les cas, ce n'était pas le grec, car lorsque Dieu envoie un prophète à son peuple, il parle la langue de ce peuple afin de se faire comprendre de lui, comme nous l'a dit Allah dans le Coran. Et pour ceux qui prétendraient que cet évangile véritable n'existe qu'en grec, je leur répondrai, alors pourquoi sur la croix, on fait dire à Jésus et on écrit ses paroles dans les évangiles, dans un des évangiles, que Jésus aurait dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Et ceci n'est pas du grec, comme vous le savez, mais de l'hébreu. Dans le Coran, Dieu nous a dit dans un autre verset, pour confirmer ce qui était dans la sourate de Marie, dans la sourate Al-Tawba, la sourate numéro 9, ce qui suit. Les Juifs ont dit « Ozaïr est le Fils de Dieu » et les chrétiens ont dit « Le Messie est le Fils de Dieu ». Ils disent cela de leur propre bouche. Ils répètent ce que les mécréants ont répété déjà avant eux, qu'Allah les combatte et les anéantissent à cause de cette parole. » Fin de citation. Nous voyons ici qu'on ne pourrait pas dire que le Coran n'entend pas le mot « fils » dans le même sens que les chrétiens, car Dieu dit bien « les chrétiens ont dit ». Donc Dieu sait très bien dans quel sens ils l'entendent. Or, puisque c'est une parole de mécréance, comment se fait-il
que Jésus leur ait prononcé. C'est tout à fait inconcevable. Et puisque Dieu dit que c'est un mensonge qu'ils inventent de leur propre bouche, comment un mensonge pourrait être comment est-ce qu'un mensonge pourrait être la vérité et de surcroît dans la bouche d'un prophète qui doit nous transmettre le message de Dieu en toute intégralité? C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu, Allah le Très-Haut, d'avoir révélé le Coran à son prophète bien-aimé Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et que par cette révélation, nous avons su que Jésus était un véritable prophète, qu'il était le Messie, mais qu'il n'avait pas la nature divine et qu'il n'était pas un fils de Dieu comme lui attribuent les trinitaires. Nous lisons aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 18, que Dieu s'adresse à son prophète Ésaïe et lui annonce la venue de Jésus le Messie par ces termes. Voici mon serviteur que j'ai élu. Fin de citation. Donc Dieu n'annonce pas à Ésaïe la venue du Fils de Dieu. Il annonce la venue d'un simple serviteur de Dieu, un prophète. Et tout cela nous est, comme vous l'avez vu, rappelé dans le Coran, en plusieurs endroits, et aussi dans la sourate, l'ornement, sourate numéro 43, au verset 59, Allah dit ceci: Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Fin de citation. Nous lisons aussi dans le Coran que dans la sourate Les Femmes, dans les derniers versets de la sourate Les Femmes, où Dieu s'adresse aux gens du livre. Et dans cette sourate, Dieu dit « Ô vous, les gens du livre ». Il ne s'adresse pas aux musulmans, il ne s'adresse pas à tous les hommes. Il y a des versets où Dieu dit « Ô vous, les humains », d'autres versets où Dieu dit « Ô vous, les croyants ». Dans d'autres versets, Dieu dit « Ô vous, les gens du livre ». Et dans ce verset de la sourate « Les femmes », Dieu s'adresse ainsi aux chrétiens en disant « Ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il annonça à Marie est un souffle de vie, un esprit honoré et créé par Dieu et venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez de le faire, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux et trop élevé pour avoir un fils. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui, et ceux qui se trouvent indignes de l'adorer et s'enfler d'orgueil. Il les rassemblera tous vers lui.